Salut mon gars, cette semaine on s'intéresse à l'équipe de France. Il y a 20 ans, jour pour jour, on vivait ce genre de moment-là. C'était le 2 juillet 2000, la France entrait dans l'histoire en étant la première nation à remporter la Coupe du Monde et ensuite l'Euro. Allez, on se replonge dans cet Euro 2000. L'équipe de France, champion du monde, a galéré pour se qualifier pour cet Euro et le tirage au sort a concocté du lourd. Le pays organisateur, les Pays-Bas, mais aussi la République tchèque et le Danemark. Roger Lemaire a remplacé Aimé Jacquet. Roger Lemaire, un poil parano, ne veut pas s'exprimer devant les médias et surtout surprotège son groupe. Champion du monde de la discrétion. Les Français sont arrivés ce matin dans leur hôtel de Knokest, presque en catimini et par l'entrée de service. À l'origine de cette histoire, de cette brouille, c'est le rendez-vous manqué de deux internationaux lors d'un point presse. Thierry Henry et Didier Deschamps ne se sont pas pointés. Les journalistes en représailles ont boycotté la conférence de presse de Roger Lemaire. Un affront pour lui. Dans mon esprit, si un lien est rompu, c'est entre vous et moi. Vous en portez la responsabilité. Premier match face au Danemark, exit Stéphane Guivarch, il ne fait pas partie de l'aventure. Nicolas Anelka et Thierry Henry sont titulaires pour ce premier match. Et le premier buteur français, ce sera Laurent Blanc. Anelka face à Schmeichel encore. Et le but de Laurent Blanc. Ensuite, Wiltord et Henry. Large victoire 3-0. Les Français sont premiers de leur groupe. Cinq jours plus tard, l'adversaire de l'équipe de France, la République tchèque, n'a pas le droit à l'erreur. Ils ont perdu leur premier match face aux Pays-Bas, 1-0. Et ça va être un match compliqué pour les Français, mais ils vont y arriver. Ouverture du score de Thierry Henry. Comme il erreur, Gabriel, Thierry Henry. Et égalisation de Poborski sur pénalty. Et c'est Youri Djorkaeff qui va délivrer les Français. L'arrivée de Djorkaeff. Victoire 2-1 et 6 points sur 6 pour les Français. Troisième match, France-Pays-Bas, l'enjeu, la première place du groupe. La France mène 2-1 à la mi-temps. Des buts de Dugarry et Trezeguet, un but de Kluivert côté hollandais qui finira meilleur buteur de la compétition. Et en deuxième mi-temps, les Français vont s'effondrer. Défaite 3-2, des buts de Zenden et de Bourg. Les Français terminent deuxième de leur poule et affronteront en quart de finale l'Espagne. Didier Deschamps, fortement critiqué, va élever son niveau de jeu. Et surtout, Zidane, Djorkaeff et Vieira vont énormément combiner et vont étouffer le milieu espagnol Elguera Guardiola. Et Zidane va ouvrir le score. Zidane va nous offrir un vrai récital lors de cette rencontre. Oh, et c'est but ! Pleine lucarne, ce coup franc de Zinedine Zidane ! La joie sera de courte durée puisque Mendieta égalise 6 minutes plus tard sur pénalty. Juste avant la pause, Djorkaeff marque le deuxième but sur un caviar de Patrick Vieira. Victoire des Français 2-1, ils atteignent le dernier carré de cette compétition. Et mon gars, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Allez, c'est reparti. La France est en demi-finale de l'Euro comme en 1996. Cette fois-ci, il faut affronter le Portugal de Luís Figo, vainqueur de la Turquie en quart de finale 2-0. Un doublé de Nuno Gomes. Roger Lemaire lui change une nouvelle fois sa tactique et son 11. Nicolas Anelka, Petit, son titulaire, Zidane en 10 avec deux pointes devant. Et ça va mal débuter pour les Français puisqu'ils vont encaisser un but de Nuno Gomes. Du chapeau face à l'Allemagne. Oh, oh, Nuno Gomes. Mais la tactique de Roger Lemaire va payer puisque Luís Figo sera un peu éteint, on le verra moins, et surtout Nuno Gomes privé de ballon. La deuxième mi-temps sera encore un récital de Zinedine Zidane, peut-être la meilleure période de l'équipe de France dans ce tournoi. Les Bleus réagissent par Thierry Henry qui égalise et sont poussés en prolongation. Signalé, il va pouvoir se retourner. Aïe, aïe. Égalisation de Thierry Henry. Et la règle du but en or est appliquée, un pénalty, Zidane le transforme. Et la France est en finale de l'Euro 2000, Zinedine Zidane. La France est en finale de l'Euro, une première depuis 1984. Ils vont affronter l'Italie, la redoutable Italie qui débarque avec ses 5 défenseurs, ses 3 milieux et sa doublette Totti Del Vecchio. Et on va passer par toutes les émotions. Tout d'abord, on va penser que c'est un match très ouvert, puisque ça va aller d'un but à l'autre, mais ça va être vite cadenassé. Les Français vont se faire endormir. À la mi-temps, le score est de 0 partout. Les Italiens ouvrent le score grâce à Del Vecchio sur un bon service de Pesotto. 3 minutes plus tard, Del Piero a l'occasion d'aggraver le score. «
On est à la 84e minute, Del Piero a une nouvelle occasion, sa frappe est arrêtée par Fabien Barthez. Les minutes défilent, la France n'y arrive pas et dans le trou, les Italiens sur le banc commencent à fêter la victoire. Coaching gagnant pour Roger Lemaire, trois changements décisifs comme rarement le football en a connu. Sylvain Wiltord remplace Lilian Thuram, Trezeguet, Djorkaeff et Pires, Lizarazu. Ces trois hommes vont changer le cours du match. Les Italiens, au lieu de temporiser, perdent le ballon. Barthez le récupère, long dégagement, déviation de David Trezeguet, Cannavaro est trop court. Wiltord frappe, la suite tu la connais. Wiltord qui peut frapper, oui ! Oui, Charles ! Et partout ! Et on se souvient tous de cette image de Thierry Henry qui demande aux Italiens de se rasseoir sur le banc. Place à la prolongation et au but en or, une formalité pour l'équipe de France. Robert Pires insiste sur son côté gauche, centre, Trezeguet, reprise de volée. Il y a du monde, il y a Trezeguet ! Ah oui ! L'équipe de France est championne d'Europe ! Et on se souvient aussi de ces images de Didier Deschamps qui annonce à Roger Lemaire qu'il arrête le foot. La France est championne d'Europe pour la deuxième fois de son histoire. Zidane a survolé la compétition, meilleur qu'en 1998 où il avait été décisif seulement lors de la finale. Mais c'est surtout la victoire d'un groupe composé des meilleurs éléments. Voilà mon gars, c'était l'épopée des Bleus lors de l'Euro 2000. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, partager, liker. Puis surtout, propose d'autres sujets. Et abonne-toi, pas si bête.